des applaudissements. Tiens, viens, viens à côté de moi. Viens à côté de moi. Amel Fezaï dans le coin rouge. Ensuite, nous allons appeler Alexandra Paune. Je te prie de me rejoindre ici, dans le coin bleu. Voilà. Vous pouvez vous mettre en face à face. Donc, nous sommes dans la catégorie des légers. Face à face. Super. Vous pouvez regarder la caméra. Allez, je vous souhaite un très bon combat. Le respect mutuel, avant toute chose, l'esprit sport. Serrez-vous la main. Nous allons commencer la soirée immédiatement avec le premier combat en boxe féminine. J'appelle dans le coin rouge Amel Fezaï. On applaudit. Amel Fezaï, 62 kilos, catégorie léger appartenant à la team Nico Boxing. Un combat, une victoire par KO en interclub. Félicitations. On applaudit. J'appelle son adversaire Alexandra Paune. Dans le coin bleu, s'il te plaît. Alexandra Paune, 59 kilos, coaché par Karim Rayani, qui représente la France, mais également la Roumanie. On est international, les gars. Premier combat pour madame. Je vous souhaite une belle rencontre, du respect, c'est sport. Merci, beau combat, les filles. T'entends quoi ? Protégeant. Le casque. Ok, vous venez avec moi. Je vous rappelle les règles. Coup au-dessus de la ceinture. Pas de coup derrière la tête. Pas de main ouverte. D'accord. Vous écoutez bien les consignes. Deux consignes à respecter. Stop. On stoppe le combat. Break. On a un petit pas de retrait et on peut continuer le combat. D'accord. Boxez propre, boxez intelligent et faites un beau combat. Dans vos coins. Chrono. Fight. Allez.
Christophe. Ça va? Ça va? Céline, quelle grande. Gère la santé. Ouais, c'est bien. Tu vas bien. Oh, ouais. Regarde, regarde, ouvert, regarde ce qu'il y a fait. Boxeur. Allez, allez. Fight. Oui, c'est... Et tu sors, voilà. Bien, c'est bien, garde ta distance. Allez, c'est bien. Ton bras avant. Allez, faire prendre ton bras avant, à distance. Oui, allez. Bien ça, mais allez. Eh, repousse ça, voilà. Bien, reprends la distance. Où t'as gardé, Mélin, hein? Protège-toi. Allez, lâche le tien, voilà, lâche le tien. Allez, un, deux, deux, tout ça. Hop. Ouais. C'est elle qui va pouvoir s'en venir sur toi. C'est pas pour toi. Ça pousse. C'est pas grave. Box. Ouais, tu gardes ta... Voilà. Allez. Sur ta garde, voilà, encore, ouais, bien, allez. Remets-lui, va pas. 10 secondes, allez, allez, allez. On pousse avec ton jab, on pousse avec ton jab, allez. Oui, allez, ta garde. Allez. Et protège-toi, protège-toi. Allez, box. Attention, allez, 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 allez. Voilà. Allez, garde ta garde.
Attention les coups derrière la tête. Allez, bon, bon. Attention les coups derrière la tête. Je mets en temps. Allez. Allez. Super plus de la compétition. Allez. Non, c'est non. Ah, les encourage. Allez. Voilà, dès que tu bouges, là, Abel, allez. Un second. Voilà, allez. Pam, pam, et tu sors. Allez. Allez, allez, allez. Go. Allez, fais-toi plaisir. Allez, 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 lâche pas, c'est fini. Allez, allez. Oui, encore. Top, c'est bon. Bravo. Bravo, oui, ça va. Bravo, j'applaudis. Bravo, les gars. Respect à tous les deux. Bon, bravo. Allez, allez, les coachs pour l'élégance. Ok, vous êtes plus bêtes. J'aimerais savoir. Et donc pour ce premier combat de la soirée, nous avons Amel Fezaille qui remporte ce combat. Bravo aux deux combattants. Bravo. Les filles, faites un câlin. Voilà, le respect toujours. Bravo, bravo. Félicitations. Bravo les filles. Attention, petite photo. Bravo, courageux. Ah, bah, moi, c'est Amel, j'ai fait le premier combat. C'est mon deuxième combat, deux victoires. Très fier de moi. Celui-là, il a duré trois rondes. C'était très bien réussi. Je me suis bien préparée, très technique. Je suis fier de moi, je suis fier que ma famille m'ait vu. Et je suis très contente d'être là. Bonjour, je m'appelle Alex. Je m'excuse d'avance pour mon français. Aujourd'hui, c'était mon premier combat. J'ai bien aimé. Et je voudrais remercier à Nico et à tous les professionnels présents. Et je vais regarder toutes les vidéos pour voir mes erreurs et pour mieux travailler pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. Pour le deuxième combat de cette super soirée, nous allons accueillir à présent des poids légers. Donc un combat homme, nous aurons affaire à Yacine, l'homme qu'on appelle Agamaki. Aïe, 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 aïe. Viens ici mon frère, viens ici. Le deuxième combattant qui lui fera face, Gaëtan. S'il te plaît Gaëtan, viens nous rejoindre pour le coin bleu. Super. Donc Boxing Club Niçois, Yacine, Nico Boxing Coach, faites-vous face s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Superbe. Regardez la caméra s'il vous plaît. Super. On vous souhaite un super combat les gars. Les gars, serrez-vous la main, respect mutuel. Formidable. Ok, ok. Après ce super premier combat, vraiment une très belle entrée en matière. Franchement, encore merci aux filles. Deuxième combat de la soirée. Poids léger, homme. Là, c'est un combat 100% débutant. C'est leur premier combat interclub. Ça marque le début de leur carrière en boxe amateur. C'est super important parce que ça peut être un gros virage dans leur vie personnelle. J'appelle dans le coin rouge Yacine, a.k.a. Agamaki. Frérot,
Yacine, alias Agamaki. Aïe, 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 aïe. 17 ans, 58 kilos. Explosif. Appartenant à la team Nico. Boxing coach formidable. Qui fera face à Gaëtan. Il est où Gaëtan? Applaudissez-le. Dans le coin bleu. Gaëtan, mets-toi dans le coin bleu s'il te plaît. Gaëtan, 32 ans, 56 kilos, du BCN Boxing Club niçois. Merci à toi d'être là ce soir. On les applaudit. Ça va le casque? Ouais, bon. Regardez ta tête bien droite. Pense-y parce que j'arrête sinon. Messieurs, je vous répète les conseils. Coup en haut de la ceinture, pas en dessous, pas de coup derrière la tête, pas de coup derrière, d'accord? Pas de main ouverte, d'accord? Boxer propre, boxer intelligent, vous écoutez les consignes. Stop, c'est stop. Break, on a un petit pas de retrait et on continue à boxer. D'accord. Ok? À vos coins. Boxeur bleu prêt? Ouais. Boxeur rouge prêt? Time. Fight! C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça garde bien, ça garde bien. Box. Respire. Allez, 5 secondes. C'est bon? Time. Box. Durma. Pousse pas. C'est bien. Ça va? Lève bien tes mains. Ça va encore? Ouais, ça va. Respire, prends le temps. C'est bien. Garde bien les mains en haut.
Donc ça. Fight. Allez. Moi je suis bien. Attention les mains ouvertes. Test. Attention les mains ouvertes. Il a fait. Fini. Fini. Allez, fini. Bien. Encore. Bien, fini, allez. Voilà, c'est bon. Ça va. Dans ton coin. Ça va ? Un. T'es en train de dire pour deux. Trois. Deux personnes. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Ça va ? Là qu'il est conscient. Box. Allez. Levez vos mains, les gars. Levez vos mains. Allez. Attention, les mains ouvertes. Allez, c'est un dessin là. Bien, la gars, c'est bien. Encore, c'est bien. Les mains. Bien. Attention, les mains ouvertes. Bouge le but. Voilà, c'est bien, au revoir. Bien. Fini. Stop. Main ouverte. Fais attention les mains ouvertes. Tes crochets, c'est trop large. Ouais. Ça va ? Je pourrais le faire. C'est quand même hein ? C'est bien. Reprends le temps, remets-le bien. Ça va ? Bon. Attention les mains ouvertes. C'est un peu large. Allez les gars. Allez. Time. Box. Bouge. Ça l'embête. Voilà, c'est bien. Tranquille. Voilà, bouge. Mouse. Bien. Encore. Oui. Ouais. Stop. Lève un peu la tête, Yacine. T'as la tête un peu basse. Time. Box. Allez, levez les mains, gars. Protégez-vous. Oui, bravo. Bien. Lève tes mains, Yacine. Lève tes mains. Lève les mains. 10 secondes. Bouge le bus. Voilà, bouge le bus. C'est ça. Oui, bien. Arrêtez la charge. Bouge le bus. Toujours plus. Ça arrive. Ça va, remets-lui bien le casque s'il faut. Ça va le casque ou pas ? Il bouge un peu. Ça va ? Lève bien tes mains et lève ta tête. Ça va ? Attention les crochets un peu larges. Ok. Ouais. Montez bien les mains les gars. Si je vois des crochets larges, si je vois des mains en bas, j'arrête le combat, je mets une pénalité et vous perdez l'ordre. Ok. Levez bien vos mains. Vissez bien vos poings, pas de mains ouvertes. Soyez propre. Boxer. Dernier round dans les encourages. Allez. Box. Tête en haut les gars, la tête en haut, allez. Allez, bouge, toujours le bus. C'est le bus qui va faire chier. Allez, au fond. Hypercute crochet. C'est bien, bouge le but, c'est bien. Regarde le cardio, voilà, tu lâches. Allez, bien.
Encore. En bas ? Oui, deuxième. Respire, chrono. En 10 secondes. Allez, assez. Allez, fini, semaine. Chrono. Box. Attention, les mains ouvertes, les gars. Attention, les mains ouvertes. Boxez propre jusqu'au bout. 20 secondes. Allez. Attention, les coups derrière la tête. Il n'y a plus de garde. Tu l'as vu, la plus de garde. Ne te jette pas. Lève les mains, Yasmin. Avance vers lui. Lève les mains, Yasmin. Oui, bravo. Lève les mains. Il n'y a plus de garde. Allez, c'est maintenant. Time. C'est bon le casque les gars. Sortez les gants, sortez le casque. Ça va? Ça va? Ouais. Yassine prend le premier, après il prend les deux autres. Ouais. Bravo. Bravo. Viens avec moi. Gaëtan, viens. Encore merci pour ce combat exceptionnel, franchement merci à toi, 17 ans, franchement on peut l'applaudir, c'est vraiment très beau ce qu'il a fait, merci à Gaëtan aussi, super combat, la décision du jury est tombée et ce soir c'est Gaëtan qui remporte le combat. Merci, tirez-vous la main, bon combat les gars, photo, venez ici, photo. Mettez-vous à côté. Les notes, on peut noter un gros retournement de situation quand même. Ouais, c'est vrai. On peut faire un dilan. Dilan à chaud quand même. Ok, dilan à chaud, c'est vrai. On a commencé sur un début de match où c'est vrai, on avait Yacine qui était très très bien parti. On a eu un retournement de situation sur la fin. Pour le coup, Gaëtan a remonté et du coup a pris le combat. Et voilà. Très beau, très belle prestation des deux, mais très beau retournement de situation de Gaëtan. Très très beau, c'est vrai. Alors moi c'est Yacine, 17 ans, j'ai 5 mois d'expérience dans la boxe. J'ai voulu me lancer en amateur pour savoir ce que ça allait donner. Je suis tombé sur un adversaire un peu plus costaud que moi, on va dire. Il a 3 ans d'expérience dans la boxe, il était plus entraîné que moi. Je suis venu sans entraînement, sans rien du tout, j'ai voulu me tester, sauf que c'était pas une bonne idée. Il était fort, premier round, je suis arrivé à l'aise, quand je l'ai tapé, il est tombé, je me suis dit, ça va pas être si compliqué que ça. Sauf que deuxième round, retournement de situation, il m'a choqué, je me suis pris une droite sans l'avoir, et c'est de là où j'ai été sonné, et puis le cardio, le manque d'entraînement, tout ça, etc., c'est arrivé, et puis il a été meilleur que moi, hein, tout simplement. Bonsoir, je m'appelle Odino Gaëtan, boxe au Boxing Club Niçois et ce soir je suis venu par l'invitation de Nico Boxing Coach faire un combat. C'était mon premier et très bonne expérience pour la suite, pour l'année prochaine. Et je voulais féliciter mon adversaire aussi, car sur le premier round il m'a surpris et s'il aurait eu un peu plus de cardio, peut-être qu'il aurait pu gagner. J'ai su renverser la tendance et aller chercher la victoire ce soir. Merci à tous. Merveilleux. Pour le troisième combat de cette soirée,
Donc pour le co-main event, nous aurons affaire à deux femmes, catégorie léger. Donc nous aurons Mélina Rebello de la team Nico Boxing. Je te demande de venir. Merci à toi. Donc qui sera opposée à Céline du Fight Club 06. Aïe, 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 aïe. Mesdames, faites-vous face, s'il vous plaît. Ah, la tension est palpable. Exceptionnel. Mesdames, faites face aux caméras, s'il vous plaît. Ok, génial. On peut les applaudir. On va accueillir le troisième combat de la soirée. Donc troisième combat, co-main event femme, catégorie léger. Je vais appeler dans le coin rouge Mélina Rebello. On l'applaudit. Okay, yes, au top. Mélina Rebello de la team Nico Boxing Club. Jeune maman qui nous revient après un an d'arrêt suite à la naissance de sa fille. Ouais. Félicitations. Merci. Qui comptabilise actuellement 10 combats avec un titre de championne de Provence en 2022. Merveilleux. On appelle son adversaire Céline du Fight Club 06. On l'applaudit. Dans le coin bleu, s'il te plaît, Céline. Donc Céline du Fight Club 06 à Antibes, qui ne possède certes qu'un seul combat en Italie, mais qui est dotée d'une expérience redoutable. On peut l'applaudir. C'est bon, serré. Les gants, 10. Le casque, c'est bon, c'est serré. Mm-hmm. Les gants, on a du 10 aussi. Ouais. Ça sent un peu scratch. Ouais. Boxeuse, écoutez les consignes. Pas de coups derrière la tête, pas de coups en bas de la ceinture, pas de coups derrière, d'accord. On garde les mains bien hautes tout le temps, on se protège. Écoutez les consignes. Stop, c'est stop. Break, un petit pas de retrait, on repart, vous connaissez. Soyez propre, soyez intelligent dans votre boxe. Ok ? À vos coins. Fight ! Allez les filles ! Allez, boum ! Explosif. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Allez les filles! Allez, go!
Il y a un casque. Ah. Ça va le casque? Non. T'as décalé, j'ai l'impression. Non? Ça va? Ça va? Ouais. C'est long? Ouais. Attention de pas trop pousser. Alors on peut les encourager. Hein. Allez. Fight. Allez, allez les filles! Allez! Hop! Box! Ça va toujours? Non. Ça va comme ça. Je me saoule son casque. C'est bon. Je descends, rien. C'est lourd, quoi. Ça va? C'est dur, hein, quand même. Allez, dernier round. Alors, lâche rien, les filles, dernier round. Dernier round. Dernier combat féminin. Tranquille. Attention de garder la tête bien haute dans les coins. Je baisse un peu la tête dans les coins. Faut que ça. Box. Allez, on encourage. Allez, allez. On donne tout, c'est maintenant. Allez, dernier round là. Allez, allez, allez. C'est beau ça. Ouais, bravo les filles, bravo! Allez les filles! Allez les filles!
Magnifique. Ouais, ouais. Bravo. Stop, stop. Box. Allez, 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 10 dernières secondes, les filles. Allez, allez. Top. Box. Time. Bravo. De l'arbitre aussi. Ouais. Bah moi je vois les deux premiers lignes, le dernier, l'avantage. Et toi? Moi je suis sur une égalité. Donc je vais comptabiliser le trait de gir. Après la touche, moi je vois c'est devant. C'est vrai qu'elle a touché. Elle touche plus. Après c'est amateur, hein. C'est, c'est à la touche. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai pas compté les touches. Bah les petits jabs et tout, ça compte. Hein. Ah ouais, mais à la touche ça compte pas. Hein. Bah Céline elle a touché, elle a touché plus hein. Céline elle a touché plus hein. Je sais pas. Yacine, au revoir. Tu veux faire un extra round? Et là j'en ai 5 extra rounds. Sorti les gants et tout. Moi j'ai 8 pour Céline. Donc j'ai un petit avantage. Et toi? Soit on fait un extra round, beaucoup d'inégalités. Elle va m'avoir un lien. Ouais, il est passé en décision d'extra round là, des jumeaux. Ouais, mesdames, je suis désolé, on va devoir vous départager sur un extra round. C'est le combat qui est serré, un extra round exceptionnellement. Allez, ça marche. Donnez tout. Allez les filles, allez! Nous avons donc affaire à une situation qui est très serrée. On va donc demander aux deux combattantes de faire un extra round pour pouvoir départager le gagnant. On peut rappeler le règlement sur l'arbitre? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on met en avant aussi, c'est la touche, hein, puisqu'on est sur de la boxe amateur. Donc les coups, les jabs, etc., qui portent la tête en arrière, c'est des coups qui sont comptabilisés comme des points. Voilà. Après, on essaie aussi de juger en même temps l'agressivité des boxeurs, la combativité. C'est un jugement global, mais il faut aussi qu'on puisse mettre en avant les coups qui sont portés. Donc c'est un score à la touche. Hein. C'est pour ça que c'est très serré. On a eu un côté où il y a eu plus de touches, et d'un autre côté, il y a eu plus de combativité, on va dire, et plus d'impact. Oui, c'est le sous-texte. Hein? Elle touche, elle a des petits coups, mais ça touche. Ouais, c'est bien. Oui, 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 mais bon. Ça touche. Après, les plus avantages. Ouais, ça touche, ça touche. Ok, 2 minutes, on a travers, vraiment les touches précises. D'accord? 2 minutes. Attention, les jurys vont être très concentrés. Monsieur l'arbitre aussi. Extra round, on peut les encourager. Boxeur. Bien joué. Ça va? Voilà, ça prends, va. Prends 2 secondes, prends 2 secondes. 1, 2, 3. Non, c'est bon. 4. Les gants. Box. Allez les filles. Let's go.
Allez les filles, on y va. Allez les filles, on va parler. Allez, derrière. Allez, 30 secondes. Droite. Allez, allez, 20 secondes, allez. Allez les filles. Allez, 10 secondes, allez, 8. Mais je sais pas. Je peux... ouais, ça me parle. Merci Nico. Ouais, sur la droite, elle est passée, elle est déjà pas. Bon, bon. Bon, apparemment on est sur un extra round. Non, je... Alors, c'est parti. Je peux dire que c'était une décision très compliquée, très serrée. Ok, ok. Il y a un point. Un point. Excuse-moi. Un point qui est départ. Ok. Nous avons donc eu affaire à un combat qui était très très serré. Bravo à nos deux combattantes. On peut vraiment les applaudir. Elles ont fait un extra round. C'est vraiment pas simple. Un seul point les départage. Et ce soir, le combat est remporté par Céline. Bravo. Toutefois, super, félicitations. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que ça faisait un an que madame n'avait pas remis les gants. D'accord, donc je pense qu'on peut l'applaudir. Et vraiment, ça mérite. Ça mérite. Félicitations à toi. Félicitations à toi. Photo, mesdames. Photo, Céline. Allez voir. Après le dernier round. Ouais, c'est bon, Céline. Ouais. Super soirée. Je me suis vraiment éclatée. C'était combat contre Mélina. Grosse guerrière. Vraiment combat difficile, physique. Et voilà, très contente d'être là et d'avoir fait un super combat et d'avoir pris de l'expérience contre Mélina. Moi, c'est Maëlle. Donc. C'est ma première mise de gants ce soir chez Nico depuis plus d'un an, car j'ai donné naissance à une petite fille il y a 4 mois. Donc voilà, mon ressenti génial. Je suis très contente d'avoir participé et encore plus avec cet adversaire que je connais très bien et qui mérite amplement sa victoire. Donc voilà, donc je me suis remis dans le bain progressivement et j'ai toujours autant aimé. Et bon, premier round, ça va, deuxième round fatigué, et troisième round, on va dire c'est le mental. Et le quatrième, ils m'ont terminé, donc voilà. Mais c'était une belle guerre et je suis bien contente d'avoir participé et je reviendrai très prochainement. D'accord, donc nous profitons de ce petit entracte afin de vous présenter les sponsors de la soirée. Donc nous avons ici Sabrina, donc, qui est commerciale représentante pour la société Kion, qui va offrir des cadeaux, voilà, aux gagnants hommes. Merci. De rien, Sabrina. Et ravi d'avoir participé. Formidable. Merci d'être venu avec nous ce soir. Et nous avons ici le représentant de la marque La Famille, La Fafa. On est ensemble, connectés, vous savez. Donc lui, il fait de la sap, super sap. Vous pouvez le retrouver, de toute façon ça tourne de partout. Et ce monsieur là est venu avec de super cadeaux pour nos gagnants. Merci à toi d'être venu. La soirée continue. Merci énormément à tout le monde d'être là, oui. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde de participer à cet événement exceptionnel. Superbe. Ok. Quatrième et dernier combat de la soirée. Main event homme. Catégorie poids moyen. 75 kilos. J'appelle Vincent Rigano. Autrement connu sous le nom de Grillade. À
Attention. Attention les gars, je vous le dis, ça sent le roussi, on va marcher sur des braises. Formidable. Qui fera face à William Chastain de Antip Fight Academy. Oh là 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 là. Gonflez à bloc. Messieurs, faites-vous face s'il vous plaît. On laisse continuer la tension. Aïe 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 aïe. Ouais, il y a de la détermination, super. Messieurs, faites face aux caméras s'il vous plaît. Attention, pas de mal. Ok, super messieurs. On se retrouvera après. Serrez-vous la main s'il vous plaît. Beau combat à vous. Merci. Je tiens juste à préciser une dernière petite chose. Les deux derniers combattants qui sont venus, donc on parle de Vincent Rigano et de William Chastain, ces deux combattants-là sont d'anciens élèves de Nico Boxing Club. Voilà, c'était juste pour préciser. On souhaite une belle soirée à tout le monde, des beaux combats en perspective. Dans le coin rouge, on va donc appeler William Chastain, du bruit. Ah mon gars. Tu bonne comme ça. C'est magnifique. William, le vrai William, William Chastain de Antip Fight Academy. On peut l'applaudir. Avec plus de 10 combats en kickboxing à son actif. Tout à l'heure, t'as fait monter la pression, on compte sur toi pour que ça continue pendant le combat. On peut l'applaudir. Ok, dans le coin bleu. Vincent Rigano. La grillade. Ok. Donc, appartenant à la team Kalea, avec plus de 5 combats à son actif, on a vu tout à l'heure aussi qu'il était déterminé. On leur souhaite un bon combat à tous les deux. Il est où le coach? Un coach s'il vous plaît. Coach. Un coach dans le coin s'il vous plaît. Jean, on est quoi sur du 16? Le casque c'est bon? Le casque c'est bon? Bien serré? 16? Ok. Boxeur, consigne. Vous écoutez les consignes? D'accord. Pas de coups derrière la tête, pas de coups en dessous de la ceinture. On pousse pas, pas de main ouverte. Boxer propre, vous connaissez maintenant. Boxer intelligent, à vos coins. Boxeur bleu prêt, boxeur rouge prêt, time, fight! Les coups derrière la tête. Pardon. Crochet large. Ça va? Box.
Attention, les coups derrière le champ. Allez, allez, allez. Les mains, 7, 8, box. Allez, Allez, ouais, merci mon grand-père. Merci mon père. Souviens-toi de ce qu'on a dit à l'entraînement. Je te laisse enfermer dans les coins. Je te laisse pas enfermer, grand-père. Attrape, pousse, fais quelque chose. Sois vicieux. Ça va ? Nickel. Allez, ben, c'est soit méchant. De la force avant dernier round. Allez les gars, allez, boxeur, boxeur, coach s'il vous plaît. Box. Allez les gars. Regarde le centre, prends le centre, prends le centre. Il est à toi le centre. Bien. Lève les mains, Vincent, lève les mains. Enlève la main et boum. Allez, allez, c'est bien, t'as le sang, t'as le sang. Merci Vincent. Allez. Ouais. Amène-le dans tes cordes, amène-le dans. Tu montes, tu montes, Vincent. Réponse contre réponse. Allez, encouragez un peu. Allez. Ouais, les gars. Allez. Allez les gars, ça boxe, allez. Allez, les gars, ça boxe. Allez, oui.
D'accord. Allez les gars. Allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 on y va là. Allez, bleu. Allez, encore. Ouais. Les mains hautes, les mains hautes. Allez. Allez, 20 secondes. Allez. Vincent, c'est bon. C'est le ventre, c'est bon. Allez, 10 secondes. Allez, c'est la fin là. Allez, allez, allez. Sur les coins, dans un temps. Allez, bon, allez. 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 Réveille-toi, Vincent. Allez, 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 serviette s'il vous plaît. Monsieur Jacques. Attention. Allez les gars. Il t'arrête à la chambre, regarde. C'est un coup de jeu. Ouais, désolé. La déco. Coach, boxeur. Allez, 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 allez les gars. Allez, formidable. Allez. Allez. Allez les gars. Allez Vincent. Allez Vincent, allez Wilson. Bouge le buste, c'est le buste. Allez. C'est pas chaque fois, c'est juste le buste. Pas les jambes, juste le buste. Voilà. Et dès que tu trouves une batterie, boum. Je crois qu'il a les mains basses, il a les mains basses. Lâche à droite. Allez, allez les gars, ça boxe, allez. Allez, 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 allez. Allez, boxe. Allez, boxe. Voilà. Ouais les gars, dernier round les gars. Vas-y. Ouais. Les mains, oublie pas les mains. Travaille. Allez, dernier round les gars. La détermination du début. Allez, c'est bien. Ah ouais, allez, allez. Attends, c'est à toi le centre. Voilà, c'est bien. Allez, 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 Jersey, lâche. Allez les gars, allez. Allez les gars. Allez, William, allez. Derrière, dernier effort, allez. Les gars, une minute. Allez. Hop. Hop. En bas. Allez, bouge. Voilà, Allez les gars. Bisez, voilà. Bravo. Bravo les gars. Ouais. Il commence. Tu vas me gagner. Arrête. Bravo. Tu l'as vu. Je te ramène dans la maison celui-là. Tu peux faire un bilan, Mélox, après.
Ça va les gars? C'est grave. Ouais. Ah oui, ouais. Un peu de cardio, on est bon. Trois mois, il a fait. Bravo. Alors, du coup, les gars. En rouge, je pense. Hein? En rouge, c'est quoi? William. Ça se passe là. Le travail il se fait là. T'as chaud? Moins que toi, à mon avis. Ok, la décision du jury vient de tomber pour ce dernier match de la soirée. Bravo à nos deux combattants. Et pour ce combat-ci, c'est le coin rouge qui remporte le combat. William, bravo, félicitations. Salut la main. Merci, bravo. Merci. Merveilleux. Photo les gars, photo. C'est vous là pour la photo. Restez là pour la photo les gars. Yes mon gars. Ok, photo par ici s'il vous plaît. J'en fais une pour le main event. Bonjour, je m'appelle William Chastain, je viens d'Antifight Academy, j'ai 23 ans. Alors premier round, je l'ai surpris, c'est ce que je m'attendais parce que le cardio, ça fait un petit moment où j'ai pas boxé, c'était pour me mettre dans le bain. Premier round, nickel. Deuxième round, je me suis pas un peu préservé pour le troisième et tout s'est voulu se passer comme je l'ai voulu. Bonjour, c'est Regano Vincent. Donc, j'ai combattu ce soir pour le deuxième événement de Nico Boxing Coach. Et bon, j'ai donc combattu contre un combattant qui venait du kickboxing, qui avait beaucoup d'expérience, qui a démarré très fort. Et ce qui m'a un petit peu stoppé, j'ai pris des coups au corps qui m'ont un peu coupé les jambes. J'ai réussi à un peu, j'ai senti que dans le deuxième et troisième round, il commençait à avoir de moins en moins de souffle. Donc j'ai essayé de reprendre le dessus, mais j'avais toujours ces coups au corps et ces coups lourds qui m'ont un peu sapé le cardio. Donc j'ai eu du mal à me remettre dans le combat et la différence s'est faite du coup, surtout au début. J'aurais dû accélérer à la fin, c'est dommage, je ne l'ai pas fait. Et le résultat est là, donc bravo à mon adversaire. Merci à tous pour ce bel événement. Merci à Nico de nous avoir accueillis ici pour pouvoir nous présenter ces combats. Merci aux combattants qui sont venus, qui ont fait le taf. On sait très bien que c'est pas évident de monter sur le ring, d'affronter comme ça. Il faut du courage, il faut de la préparation. Merci au public qui était là également. Bonsoir, merci au caméraman, merci à cet arbitre merveilleux. Bravo l'arbitre, ouais. Qui ne repartira pas taché ce soir. Un petit peu. Hein. Mais avec son plus beau sourire. Voilà, merci à tout le monde, merci pour ce bel événement. Bravo à tout le monde. Et on espère vous retrouver pour un prochain événement incessamment sous peu. On va appeler le sponsor pour les cadeaux. Exact. Ouais. Sabrina, qu'on peut retrouver sur Instagram. Les combattants gagnants, femmes et hommes, s'il vous plaît. Vous l'appelez. Les combattants gagnants, s'il vous plaît. Femmes et hommes. Faire un zoom sur la marque. Tu peux faire un zoom sur la marque. Je lève. J'ai des cadeaux là. Oh là là. Ça y est. Elle est venue avec son trophée. On sait, c'est les gagnants ce soir. Là, c'est que les gagnants. Fais attention. On m'a dit un peu plus tôt. Non, c'est bien. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, nous avons ici donc nos sponsors, la famille et Ken. Nous avons nos gagnants de la soirée, femmes et hommes, bravo à tout le monde. S'il te plaît. S'il vous plaît, aux caméras, un petit zoom sur les marques.
pour la remise. Keune, K-E-U-N-E. La famille, comme ça s'écrit, on connaît. Merci à tous d'avoir participé à cet événement. On va faire la remise des cadeaux. Des cadeaux. Félicitations. Merci pour ce beau combat. Merci, bravo à tous. Formidable. Mérité les gars, bravo. Merci. Là, je peux couper le prolong. Je t'appuie dessus. Je t'appuie juste au milieu. Donc on espère se retrouver. C'est ça. Ouais, super. Attends, il va venir avec les cadeaux aussi, la famille. Ah, la fafa. C'est pour les garçons et les filles. La fafa. Ils montent les cadeaux et après, ils vont décider de vos tailles. Hashtag la famille. Lui il est de partout, on peut le retrouver partout, moi je le croise. Même quand je vais à droite, à gauche dans la rue, je le vois. Avec des jeunes de chez moi, de partout, il est là. Il fait ses choses. Qui est formidable, on espère se retrouver incessamment sous peu pour un troisième événement, sûrement au mois de septembre, octobre. Voilà, on vous communiquera ça via les réseaux sociaux de Nico et on s'y est au courant. Nico, merci à toi, merci à tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous, je suis Nico Boxing Coach. Voilà, j'ai tout mis en avant pour faire cet événement et préparer cet événement en amont parce que j'ai déjà fait une première édition et je suis très très content de cette édition parce qu'il y a eu 4 combats magnifiques. Okay. Chaque combat avait leur charme, que ce soit dans la boxe féminine et dans la boxe au niveau des gars, c'était vraiment très très beau. Et je tiens à remercier tout le monde, tous les participants, les combattants en premier, parce que sans eux, ben, il n'y a pas de combat. Les sponsors, l'équipe aussi qui sont joints autour de moi, les jurys, les arbitres. Et j'espère reproduire l'événement. Un grand merci à tous.